Jean-Antoine Houdon, Volterrassy, 1781. La pièce maîtresse du musée est sans conteste ce Volterrassy de Houdon. Tout le monde a vu le marbre de la Comédie française, mais les répliques en plâtre ou en terre cuite sont généralement moins connues. Ce qui rend la statue du musée Voltaire unique est le fait qu'elle est composée d'un seul bloc. En effet, tout l'axe vertical tombe sur le siège évidé et ses quatre pieds. Cette prouesse technique est due à une innovation de Houdon. Le vide du fauteuil a été comblé par une pile de livres. Il est amusant de songer que c'est à partir de cette statue de Volterrassy que le sculpteur genevois James Pradier a conçu la statue de Rousseau en bronze qui orne depuis 1835 l'ancienne île des Barques. Aujourd'hui, il est Jean-Jacques Rousseau à Genève. Les nombreuses visites de Pradier à Beaumarchais, propriétaire du Volterrassy, la présence des livres sous le siège, tout plaît dans ce sens.